Bonjour à tous et bienvenue dans euh, la suite du euh, classement des factions où aujourd'hui euh, on abordera les nains euh, avec Martin. Salut! Petite rime pour commencer. On a commencé depuis un épisode les, les factions de Total War Warhammer 1, euh, puisqu'on avait fait l'Empire. Hein, euh, et puis, comme chaque début de vidéo, euh, vous connaissez le classement actualisé. Euh, donc, le classement actualisé avec le top 5 euh, qui sera composé donc, de, du duo euh, Volkmar-Karl Franks. Euh, en tête, suivi donc Dikit, Tyrion, Alariel et Gorok, donc on a dit qu'on passait sur un top 5 maintenant. Euh, et le flop euh, pour le moment, qui est constitué de Quick, Arcane, Marcus, Imric et Teneawin. Euh, Est-ce qu'il va changer le top ou le flop avec les nains euh, Les nains qui sont une race euh, appréciée euh, des joueurs de Total War Warhammer 2. Euh, C'est une, voilà, une bonne faction euh, stylée. Euh, et puis, euh, à voir après comment ça se, ça se présente, parce qu'on va essayer de rester objectif. C'était une excellente faction euh, à Total War Hammer 1, au début du 2 aussi. Maintenant, elle peine un petit peu euh, avec les nouveaux, euh, les nouveaux ajouts. Elle, les, les campagnes se sont assez complexifiées non, en C'est pas 20... qu'ils peinent, au niveau UT ils sont très bien. C'est juste qu'ils ont plus d'ennemis qu'avant. Voilà, ils ont plus d'ennemis et puis, euh, bah, ils ont des énormes avantages et des énormes lacunes oh. aussi. Donc on va, euh, on va les, on va les lister tout ça. Donc, euh, ce que je te propose, mon petit Martin, c'est comme d'habitude, on commence par, euh, par la race un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire C'est moi qui sur... fais, c'est moi qui fais. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors les nains, alors les nains bah, ils sont petits, ils sont trapus et ils sont solides. Ils vivent dans les montagnes. Non, je plaisante, c'est pas... Et, pas... Ils et ils ont une barbe. ils ont une <laughs> barbe. Et des haches. <laughs> non, alors niveau euh, gameplay des nains, vous allez avoir la forge. C'est un petit peu comme les, comme les rois des tombes. Vous allez amasser des, euh, des sarments d'or, qui sont des espèces de, de plaquettes jaunes qui vous permettront de, euh, bah, de forger des, des armes, des runes. Euh, non, ça c'est les runes Pardon. Des armes, des, euh, des boucliers, des armures et des choses comme ça pour mm. équiper vos héros. Non, non les, runes aussi, hein. les runes aussi. Les runes aussi, les autres euh, peuvent faire, c'est ah ouais. Non, Torek il a juste une case supplémentaire dans la forge, c'est pour euh, les reliques légendaires. Ah ouais, les, ouais, ouais, les reliques légendaires, pas pour moi. Donc euh, des runes aussi pour équiper vos héros qui donnent des bonus de ouf. J'en parlais avant avec euh, Caillot. Avec euh, vous pouvez avoir des tueurs qui vont aussi vite que de la cavalerie. Bon, euh, sortie de ça, voilà. <laughs> C'est complètement pété. Vous avez les rancunes. Donc dès que vous allez perdre une bataille, dès qu'on va vous vous piquer une ville, si on vous raide, si on vous pille, vous allez avoir une rancune qui va euh, s'inscrire dans le Damaskron, qui est le grand livre des rancunes. Ça, vous allez avoir une pénalité d'ordre public. Je sais pas si ça a changé avec le rework, En tout cas, à l'époque, c'était que de l'ordre public. Je ne sais pas s'il y a des, 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 nouveaux, euh, des, nouveaux malus, des nouveaux malus avec ça. Et faudra aller euh, lâter les armées qui vous ont fait du mal et qui ont brisé votre petit cœur pour rayer ses rancunes. Alors, il y a, sur, sur, la, sur la jauge, pour te effectivement avec le rework qui y a beaucoup plus de, de niveaux sur la barre donc qui augmente ah, bah, ou voilà. qui diminue en fonction des rancunes et le, le, le gros point, la grosse nouveauté surtout, c'est que plus votre barre de rancune est élevée, donc ça veut dire plus vous avez de rancunes en cours donc de, de, de quêtes en cours, euh, plus effectivement votre ordre public euh, est affecté. Il me semble aussi que la croissance, j'ai un doute dessus. Euh, vous pourrez nous le confirmer dans les commentaires, mais surtout la grande nouveauté. C'est que plus la barre est haute, plus vous avez la, la probabilité de faire apparaître des tueurs euh, recrutables donc instantanément, euh, moyennant coût bien sûr, euh, soit, des, tu, voilà, soit des tueurs classiques, soit des tueurs de géants. Plus la barre donc augmente, et à l'inverse, plus la barre diminue, donc moins vous avez de rancune, plus la probabilité que chaque tour vous ayez un pop d'une de, de, d'unités ah, recrutable... C'est pour ça que j'avais des tueurs avec que genre autour 10. C'est pour ça. C'est dû, euh, ouais, c dû à, la, à la nouvelle mécanique. Donc, effectivement, euh, une mécanique bon, assez sympa et puis de la forge qui a été refaite récemment. Euh, Donc, euh, les, les nains, pour vous parler un petit peu plus de l'armée en, en elle-même, je vais aller sur la page des batailles personnalisées. Allons-y. Donc On va, ne on va pas faire de la subtilité, c'est la meilleure artillerie du jeu. Bah, avant, de parler, euh, avant de parler de. Je crois qu'on n'a pas tout dit sur les nains, il me semble, mon Martin, euh, en je termes veux dire de. Quoi, ils, ils ont le mode tunnel. Ils ont une économie qui est extrêmement puissante. Oui, euh, ils, ils ont, ont un commerce qui est extrêmement puissant aussi pour la pour la plupart des factions, pas toutes, mais la plupart. Ouais, voilà. Sur, C'est surtout le, le mode de déplacement effectivement souterrain euh, qui permet euh, en bon, fait pas assez vieux, c'est plus le départ, c'est pas une révolution Oui, bah bon, pour les nouveaux joueurs, sait, euh, les nouveaux joueurs ah, ça peut ouais. être assez intéressant et puis effectivement, euh, au niveau de on, on l'a dit, au niveau du système de recune au niveau du système de forge, et ce que qu'on a oublié de dire, c'est qu'aussi, avec le rework maintenant, les seigneurs et les héros ont la possibilité d'avoir trois slots de runes, donc des runes que vous allez pouvoir donc affecter, des runes c'est des sortes de bonus euh, que vous allez pouvoir donc affecter à, à des héros ou à des seigneurs euh, légendaires ou non, euh, de manière permanente donc ça peut être des bonus d'armure, de dégâts des Armes de oh, défense de vitesse, euh... vitesse. c'est vous qui personnalisez, donc vous, vous allez pouvoir l'alcool. Euh... <laughs> non, il n'y a pas celle-là. <laughs> mais vous allez pouvoir donc les créer ces runes, soit euh, via donc la forge en échange de serments d'or, comme l'a dit euh, Martin, qui est une, une nouvelle ressource, euh, soit via aussi, je pense que tu peux en choper des runes avec les euh, avec les batailles peut-être en récompense de bataille. J'ai un doute. Mais voilà, je vous sais avez... pas, ai. J'ai pas encore, j'ai fait euh, 50 avec Torek bon. pour voir un petit peu ce storyboard mais je suis pas allé plus loin. Mais voilà, donc euh, le scène de runes, donc 3 runes euh, à affecter à chaque unité en plus des armes et, euh, et armures habituelles. Hein. Euh, ce qui en... leur donne un énorme avantage qui compense aussi parce qu'on l'a pas dit énormément avec le fait que les, les nains n'ont pas accès à la magie la magie quand même qui est une énorme composante de Total War Warhammer 2 hein, qui est très très puissante et ben le, le nouveau système de runes leur permet aussi d'ailleurs d'avoir des runes offensives donc vous pouvez par exemple avoir une rune qui vous fait euh, euh, pop un geyser de flammes euh, bah, sur une unité ça, en bataille c'est des pouvoirs hein. oui oui donc, mais oui magie... bah oui voilà c'est ça tout à fait c est... C est... C est... vous avez des runes qui... effectivement qui sont activables un petit peu comme des sorts de bataille, comme Martin vient de le préciser, et puis des runes qui sont passives que vous pouvez affecter sur l'écran du personnage, euh, là où vous attribuez donc les armes et les armures qui, elles, n'ont pas besoin d'être activables en bataille, qui le sont de Exactement. manière définitive sur la campagne et puis sur les effets de, du, sur le personnage. Mais voilà effectivement le nouveau système de runes en bataille qui euh, permet donc d'avoir accès alors. Vous aurez, ça sera jamais aussi puissant que de la magie, mais ça permet aussi de venir compenser cette énorme faiblesse qu'avaient les nains. Ouais, bah franchement, le plus, le plus 30 d'armure sur des nains qui sont déjà ultra solides. Mais voilà, exactement. C'est pour ça que ça permet de, de, de compenser, de, 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 de bien compenser, même si c'est pas équivalent. Voilà. Il y avait quand même, donc, on va le dire maintenant avec Martin. Euh, des énormes points forts du côté des nains et des énormes lacunes alors on commence par quoi mon petit Martin on va faire la liste d'armées bon, on va commencer par les points forts de hein, toute façon allez les points forts les nains euh, je ne sais pas si c'est je sais pas avec le chaos c'est les meilleures unités d'infanterie du jeu mmh. à, voilà, niveau infanterie vous aurez pas mieux si ce n'est les élus euh, du chaos et encore que il euh, faudrait faire une fois un 1-1 pour voir ce qu'ils gagne entre des marteliers puis des élus à armes lourdes je serais curieux de voir le résultat euh, vous allez avoir d'excellents tireurs aussi donc que ce soit les arbres étrier qui sont viables tout le long de la partie, qu'ils soient en qui en normal ou bien en normaux pardon, ou bien en armes lourdes. Vous allez avoir des rangers qui peuvent se, se camoufler, traquer, prendre les unités, prendre les unités euh, à revers. Idem avec les rangers de Bugman qui sont un petit peu la quintessence de ce type d'unité chez les, chez les nains. Vous allez avoir des arquebusiers qui comme chez les impériaux font des dégâts monstrueux et ils sont plus forts que les, les arquebusiers busiers impériaux. Ils sont en cran au-dessus, donc une unité, euh, si on sait bien la placer, puis si elles ont le temps de faire les dégâts... Ça va vraiment ça va vraiment piquer. On a des dragues de fer, donc des lance-flammes. Ça, c'est redoutable. C'est l'équivalent des. Euh... Ouais, c'est un peu plus fort, je trouve, mais c'est l'équivalent, plus ou moins, en termes de, de gameplay que les. Euh... Les lance-feu scaven. Les lance-feu scaven, voilà, j'avais plus de le terre. Ouais. Les lance-feu scaven, ça, ça joue à peu près la même chose, mais c'est un, un peu plus puissant, je crois. Bah, euh, vous, avez également la... vous avez également les dragues de fer. Avec les torpilles à troll, ça pour contre l'anti-large, contre l'anti-cavalerie, contre lanti grosse bestiole à unité multiple. C'est ultra fort aussi, franchement c'est génial. Et puis c'est... Les nains, c'est de l'armure à gogo. Je prends les guerriers nains de base, ça a déjà 85 d'armure. Et ça a 42 défenses de mêlée, sachant que vous pouvez encore les level up. Euh, comparé à d'autres factions, vous pouvez aligner des guerriers nains euh, autour 150. Ça va bien mieux défendre que certaines unités d'autres factions quoi. Et puis c'est du tiers 1. Bah, voilà, ce, 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 là où il faut accéder, c'est que, comme tu l'as dit, c'est une des meilleures infanteries, voire la meilleure infanterie du jeu. Ouais, ouais. Euh, là où effectivement les même les unités de terrain ben sont très polyvalentes donc très axées sur la défense hein, bien sûr au niveau des nains ah, euh, avec euh, effectivement la variante tier 2 qui sont les longues barbes qui aussi pareil ont des stats qui sont relativement ouais. euh, relativement sympa avec leur euh, version prenez, armelot prend Prends les fer euh, pr 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 la euh, troisième en partant de la Oui oui ouais, ouais les briseurs bah, les brisphères c'est le c'est l'élite hein. en plus ça balance des charges explosives avant donc la charge ouais ouais c'est très très euh, fort c'est les bon. plus plus grosses unités tankies et là là vous voyez les stats donc Effectivement non buffé euh, buffé c'est vrai que c'est relativement très très puissant et puis, euh, puis les marteliers voilà. qui, euh, qui prends le brise fer puis foule lui euh, puis lui au maximum puis tu regardes à combien ça monte juste, ouais. pour, euh, juste pour comparer quoi oui on peut hein. bon, tu, tu montes à ah ouais, bon. de défense de mêlée c'est ouais, normal c'est fumé euh, après on part sur les gyrocoptères trois types deux anti-infanterie puis un anti-large qui franchement sont bien pratiques, ça comble le, le manque de, de mobilité des nains. Car voilà, c'est un de leurs gros points faibles, c'est leur manque de, de mobilité. Ouais. Alors comme je disais avant, vous avez des tueurs que vous pouvez booster en vitesse, mais on n'aura pas le bonus de charge d'une cavalerie. Et, et puis c'est euh, et, ouais. et un tueur que tu vas pouvoir booster, c'est pas tous les tueurs de toutes tes armées. Avec ta rune, c'est tu vas devoir affecter euh, une rune. Mais t'as des, des, des bannières aussi maintenant que montez trucs. Tes tueurs, tu peux les faire monter à 55 de vitesse. Oui, oui, non, mais je veux dire, oui, mais il faut, il faut, il faut à chaque fois... Cave. Il, faut, il faut la bannière sur chaque tueur. C'est-à-dire que si t'as genre 3 ouais. ou 4 armées et que t'as 3 tueurs par armée, bah, en fait, tu pourras peut-être pas avoir 12 bannières de, de vitesse. Donc effectivement, sur... Quand tu crées ta bannière, tu la crées en x3 si jamais. Hein. Tu la crées en x3 Oui, oui c'est vrai ouais, que la nouvelle bannière... nouvelle bannière de vitesse, tu la crées en x3. Ouais, oui, c'est vrai, vrai. Donc euh, des, des tueurs qui peuvent... Alors, on n'a pas besoin d'une charge une cavalerie, comme je disais... Mais en termes de rapidité, on arrive à une vitesse d'une cavalerie lambda, standard, d'une ouais, même d'une cavalerie de choc qui sont moins rapides que les, que les cavaleries légères quand même. Ouais, ouais, ouais. On arrive à faire des choses avec les tueurs maintenant. Alors, les, large, donc ça les, les tueurs d'ailleurs, ouais, effectivement les tueurs je n'ai pas, pas nommé, mais c'est ceux-là. Donc pas d'armure par contre, effectivement ils ont le système de coup fatal. Donc le coup fatal, à chaque, euh, chaque mort en fait d'un tueur, il y a un, un homme ennemi qui meurt. Euh, ouais, ça... Attention, si vous affrontez une hydre. Oui, va pas oui, voilà, c'est ça, ça, ça marche ah. contre les unités d'infanterie, bien sûr, euh, voire même de. de... Les sur... unités multiples en fait. Enfin, les en unités fait, multiples. Des, ouais. des Minotaur, ça va. Ça oui, va... ça marchera pas. Ouais, non, non, ça marchera pas contre des minotaures. Ah non, ça marchera pas. Non, 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 ça marchera pas. Mais euh, euh, là où il faut faire attention, c'est que euh, les tueurs, comme les tueurs de géants, donc qui sont leur version améliorée, euh, n'ont pas la défense contre les charges. C'est-à-dire que. Ah. C'est très fort euh, pour éclater la cavalerie ou les monstres ennemis, mais attention, ça n'encaisse pas. Voilà, mais ça n'encaisse pas les charges des unités larges. Donc ça Et vient juste derrière. Voilà, unité pour venir en soutien d'une unité qui a absorbé, sachant que tous les, toutes les toutes l'infanterie naine de base a la défense contre les charges unités larges, même les guerriers nains de base. Ça c'est hyper intéressant aussi. Donc les longues barres bien sûr, leur version le, tout ce qui a bouclier quoi, tout, tout, tout ce qui euh, ah, n'a un clair. bouclier. Donc c'est là que vous avez déjà votre front line qui est là pour absorber la charge des unités larges, euh, donc le bonus de charge ennemie, et les tueurs vont venir juste derrière une fois que la charge a été, euh, a été amortie par les, par les guerriers nains pour venir découper donc les monstres ou euh, la cavalerie. Et puis euh, de l'autre côté, euh, l'anti-infanterie va venir euh, se faire plaisir, enfin euh, les marteliers et les brassards vont venir se faire plaisir aussi contre l'infanterie ennemie. Euh, très gros point fort des nains aussi, très clairement. Qui ça De quoi J'ai pas entendu, t'as dit L'artillerie. Ah oui, oui, oui l'artillerie. Les balistes au début qui sont anti-larges, bon, c'est pas oufissime, quoique maintenant vous avez les projectiles téléguidés avec la bannière avec le nouveau. Ouais, ça c'est fort. Mais non, c'est que pour les catapultes, je crois, Martin. Euh Non, c'est pour les balistes aussi, non T'es sûr Moi, il me semble que c'est. Moi, il me semble que c'est des machins que tu mets sur les pièces d'artillerie un peu comme tu veux, mais bon. Moi, il me semble, que c'est que sur une catapulte de rancune, mais à vérifier aussi, mais bon. Franchement, coup de la cavalerie légère, ça fera le taf. Ouais, ouais. Le taf. Vous avez les catapultes de rancune qui. Plutôt ça. C'est du tiers 2 je crois, il me semble maintenant. Euh, C'est une excellente catapulte. Alors, on n'est pas au niveau des catapultes de la peste d'Escavon Mais on n'est pas Franchement, la portée, elle est insane. 440 de portée. Franchement, vous en mettez 3 ou 4 début de partie dans une armée pour combler. Ça va faire du, de l'espace dans les ronds dans les ennemis. Hein, clairement. Ah, ça fait très fort. Une fois que vous avez le canon, l'arbalète, vous l'oubliez. Parce que le canon contre l'anti-large il, il est très, fort. très fort aussi. 440 euh, de portée, portée aussi. Ça fera aussi le travail. Hein, mmh. euh ça perfore les armures euh, effectivement c'est anti-large donc ça fait très mal contre les monstres contre voilà. la cavalerie contre tout, hein, contre tout et puis le euh, les... canon cano à or qui est un petit voilà. peu comme celui-là de, de l'Empire le, le canon à fusée là ça va ça va faire des dégâts explosifs ça va perforer les armures franchement donc là on rentre dans l'élite hein, on rentre dans l'élite ouais, de l'artillerie euh, les canons qui, qui sont je pense euh, une des meilleures unités d'artillerie du jeu on euh... le canon le le cano à flamme aussi un, et beaucoup le moins de portée mais par contre les dégâts sont ah ouais ils sont insane et puis contre du vampire euh... contre du vampire bon ou du roi des tombes ça c'est franchement n'importe quelle cadre. faction vous foutez ça sur les côtés de la ligne vous allumez la ligne il n'y a rien qui survit quoi ouais. donc, prend les tueurs, évidemment. donc euh, voilà donc, ça, donc voilà, euh, on va dire une des artilleries qui les place dans le dans le top 3 des factions ouais. avec enfin euh, top 3 top 4 euh, euh, des factions d'artillerie du, du des meilleures artilleries du jeu hein, avec une polyvalence, hein, de l'anti-large, de l'anti-infanterie, du dégât enflammé, euh, là également on a aussi le, 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 une réduction de commandement, on a une infanterie donc aussi très polyvalente qui encaisse énormément, qui a une énorme défense, et puis euh, des unités d'infanterie tiers qui sont euh, bah, relativement très très puissantes en hein, tireurs voit, très puissants aussi hein, les tireurs, et voilà, des... et dans le top 3 des meilleures factions de tireurs du jeu, hein. exactement. le top 3, je sais pas avec tous les elfes, oh, mais bah, mais qui avait bah, franchement euh, mis à part les elfes 20 tu mets qui devant, bah les hauts elfes, Bah quoi parce qu'ils ont les bah, Je bah oui, les euh, tu prends des, euh, des, des, des dragues de fer, c'est tout aussi puissant. Hein. Non, mais oui, après, ça reste ça reste très bon. Je dis pas que c'est mauvais, mais, euh... mais après, de là, en faire le top 3, je sais pas, mais ils sont ah, dans. Bah, on... Oh, je les mets en 3 4e, hein. ils sont 4 ils sont, ils sont en fait ils ont de la polyvalence c'est à dire que c'est pareil ils ont énorm... Alors, ils ont quand même beaucoup de tirs de tirs comme les, les dragues de fer les dragues à torpilles ou les arquebusiers qui nécessitent quand même un peu de micro gestion mais qui effectivement ouais. bien micro gérés sont Très en très, très puissant. C'est incroyable, mettez ça sur une butte, une colline, ça va tirer parti vos troupes. Et les arbalétriers de base aussi, qui sont relativement ouais, bons aussi. Bon. Vrai. Et, 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 cool, et, et, et comme les tu le disais. Les arbalétriers de base, tu peux les garder même autour d'autres 200, ils, ont, ils trouveront leur place dans des compos. Ouais. Et, euh, et, et puis aussi, euh, voilà, ils peuvent se permettre d'être interceptés, ils sont aussi bons en, en, en mêlée. Donc effectivement, ouais. voilà, au niveau des lacunes, bien sûr, comme vous pouvez le voir, pas de cavalerie, pas de montres, mais avec l'ajout du dernier euh, contenu gratuit, on a la possibilité d'avoir de la cavalerie ogre. Euh... Ouais, pour tout le monde, donc. Mais oui, mais ça comble un peu une des lacunes de la, ouais. de, 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 des nains, en fait, qui leur, leur enlevait la mobilité. Moi, personnellement, j'ai refait une campagne nain bah, avec Torek, justement, et, et sincèrement, la cavalerie t'apporte un... Mais un, un, un avantage, mais non négligeable. Bon, C'est-à-dire que. Attention, la, le, manque, le manque de mobilité c'est compensé par les hélicoptères puis les tueurs qui peuvent aller aussi vite qu'une cavalerie maintenant. Oui, 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 oui. mais c est, c est, c est, c est... Non, mais ça c'est vrai. Mais, les, faut les faut il fallait les avoir. Quoi. Enfin, pas non plus... Moi je ah préfère bah, avoir des cavaliers tiers, que. Le premier, c'est du tier 3. Hein. Ouais, ouais. Mais en, en réalité, moi j'ai trouvé quand même que le dernier ajout donc le, le rework du free LC des nains, a quand même comblé quelques lacunes. Il y avait quand même trois énormes lacunes chez les nains. C'était pas de magie, pas de cavalerie, pas de monstre, donc peu de mobilité. Et là, effectivement, on leur apporte ainsi système, pas équivalent à la magie mais qui vient rattraper une de ses lacunes. On va lui apporter aussi potentiellement une unité avec de la mobilité euh, au niveau des ogs, même si... En plus en réalité des ogres vous pourrez en avoir dans toutes vos armées parce que les pop-docs sont quand même relativement fréquents euh, wow. dans la carte et donc vos deux torox vous pourrez les affecter à deux ou trois fois euh, dans, dans chaque armée. Euh, donc en fait ça vient aussi compenser un petit peu ce, ce manque de mobilité. Donc des lacunes qui sont pas enfin, effacés mais qui sont un petit peu plus comblés euh, grâce au, au dernier ajout même s'il reste encore toujours la euh, plus grande faiblesse de la faction effectivement euh, c'est euh, l'absence de mobilité comme martin l'a justement, euh, justement dit. Par contre, un gros avantage qu'on n'a pas dit aussi, c'est que pour compenser le fait de ne pas avoir accès à la magie, c'est que les nains ont des résistances magiques améliorées de base. Ils ont 20%, 30%. Je ne sais plus exactement combien. Je ne sais pas si c'est noté sur les. Ah oui, encore 25%. 25%. Les nains, unité la plus blindée du jeu, les stats d'armure les plus élevés que vous puissiez trouver. Oui. Voilà. En plus de défense de mêlée. On l'a dit, très tanky. Ouais ouais c'est la meilleure faction pour qui franchement vous pouvez tenir une ligne mais de ouf quoi. Ouf. Le meilleur moral, la meilleure armure, la meilleure défense de mêlée. Mais pas mais, mais pas mais moins de polyvalence. C'est experte dans ouais. ce qu'elle fait mais elle n'a pas accès à tout. On en tiendra compte dans les notes de, de, de militaires. Ouais bah polyvalence polyvalence je suis désolé quand tu vois qu'ils ont des tueurs, des tireurs excellents, une artillerie excellente, des infanteries hors du commun. Oui mais toujours manque de mobilité. Et maintenant avec les, les ogres et puis les tueurs qui sont ultra rapides puis les gyros, euh, euh, ils ont quand même de quoi faire hein. Ouais, mais ils ont des lacunes, bon, des valences, tu vois. Euh, tu, tombes, tu, tu tombes contre, contre des hauts-elfes avec euh, masse monstre, avec des dragons, des phénix. Ah bah, full tueur, hein, tueur, hein. Ouais, mais et oui, mais, 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 oui, planons, oui. Des des arcs-busiers, puis c'est réglé. Oui, mais bon, après, c'est toujours pareil, hein. Il y a troll, mais après, les Nains, euh... nains c'est une faction anti-large, hein, juste comme ça en passant. Oui oui non mais je veux dire quand tu vas quand toi tu vas jouer contre tu vas pas, quand tu vas jouer tu vas tomber contre des factions larges tu vas pas avoir la possibilité de jouer full tueur tu vois ou alors tu vas te faire, les tueurs prennent quand même relativement très cher hein. euh, ouais, après ils sont ouais, bon ouais, 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 mais j'entends j'ai compté là à peu près tu as 6 ou 7 unités anti-large dans le roster c'est quand même excellent mmh. À tous, les, à tous les levels à y a tous les deux. Oui, 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 et oui, comme tu dis, euh, et que ce soit l'infanterie, lance-projectile, l'artillerie ou, ou, euh, ou la... Ou moi je trouve que les non, au contraire, sont plutôt polyvalents pour faire face à beaucoup de choses, toujours dans une composition défensive. Ça va pas être des attaquants, hein. Peut-être que leur faiblesse est là pour prendre des cités par exemple des fois c'est un peu de la merde. Bah, il reste à avoir une infanterie qui tank hein. pour prendre une cité. Ouais, moi, je trouve bon, pas ça. Tu as taper des tours de niveau 5 qui te, qui te balancent des coups de canon dans la gueule. Ton infanterie. Ouais, euh, ouais, ouais. On prend cher quand même. Hein, donc, t'es quand même obligé de faire des. des, des, des... Oui, t'as pas de mobilité. Tu peux pas aller vite dans les trucs ennemis. C'est vrai que tu tombes contre une faction, par ah, exemple, alors... comme la côte vampire. Euh... Ça, sera, ça sera un combat d'artillerie, c'est chiant. Ouais, c'est ça, c'est combat d'artillerie. Ça risque d'être chiant. Parce que si, si, si tu tombes. Ou les scaven hein, Les scaven aussi, c'est relativement horrible Et pour les nains. Comment tu les joues, des scaven, Tu peux jouer de plein de façons différentes. Non, mais si toi, tu joues les nains, je parlais. Tu tombes contre des scaven qui sont bien gérés et qui sont euh, full full artillerie ou avec, euh, avec le plus de plus de flexibilité ça peut être aussi un peu plus un peu plus handicapant. Euh, si euh, je cabin, ça va être au meilleur joueur qui l'emportera. Ouais, 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 ouais. Après euh, donc commençons par Thorgrim euh, alors pareil que pour, euh, que pour Karl Franks on a deux départs euh, identiques avec les nains. Euh, Puisqu'on a euh, Thorgrim et Grombrindal qui commencent donc euh, au, même, euh, au même endroit. Alors on aura des notes similaires sauf en militaire parce que les deux vont avoir euh, des. Et en commerce également. Grombrindal et... te, te booste le commerce dans son arbre de techno, c'est insane, c'est pété. Ouais, ah, oui bon, et euh, voilà, en commerce aussi. Ouais. Alors ce sera plutôt, il faudrait ouais, si puissance commerciale, puissance, co puissance économique. Ouais, si... bon, on le mettra dans le commerce. Allez, on va commencer par, euh, par Karazakarak, donc Karazakarak qui est la capitale de la faction euh, naine. Faction euh, on commence donc avec Thorgrim. Voilà, ville légendaire, bien sûr, euh, bien, bien située, euh, avec des montagnes donc, qui, la, qui la protègent euh, derrière. Euh, au, à l'ouest, vous avez les principautés frontalières et puis une faction mineure de nains. Euh, par contre, à l'est, vous avez les peaux vertes, et c'est vrai que le rework des peaux vertes a fait énormément de bien aux peaux vertes, et les nains ont eu énormément ah ouais. de difficultés. Alors je parle. Au sud, les sont pas à l'est Il y en a à l'est, hein, il y a les euh, l'ensemble. Les, ah oui, Ouais, ils sont à l'Est mais ils viennent du nord en fait. Voilà, oui, de, de, voilà. Ils viennent du nord et ils descendent mais ils te prennent par l'Est. Et puis avec ta Gore, bien sûr. Donc les pauvres, vertes qui ont fait énormément de mal aux nains, mais euh, on va dire c'était pré-patch pré -patch, pré Torek euh, qui a apporté les nouvelles mécaniques nains. Maintenant, l'équipe des forces... Euh, S'équilibre un petit peu, voilà, et plus équilibré, même si. C'est voilà. toujours, toujours en faveur des peaux vertes. Ouais, ça, ça reste en, un, toujours un petit peu en faveur des peaux vertes, sachant que, effectivement, euh, c'est des super match-up. En vrai, c'est des match assez équilibrés, avec des factions qui ont leurs avantages, leurs gondons On n'a pas encore fait les peaux vertes, donc on ne va pas se spoiler. Euh, mais voilà, un départ, euh, donc, avec des vampires aussi qui sont en or, mais généralement, vous avez juste un petit passage ouais. que vous voyez ici. Euh, alors, je ne sais plus comment il s'appelle, ce petit passage, ce petit défilé-là, qui relie. Ouais, voilà, qui, qui, relie, euh, qui relie en fait le nord de, de, de la carte avec le sud, hein, concrètement, euh, et qui généralement, moi, personnellement, tient énormément. C'est-à-dire, dans, dans les parties avec les nains, quand je joue les nains, j'ai très peu de fois les vampires qui viennent me déclarer la guerre. En fait, les vampires sont hyper ah, moi, concentrés ouais, ouais. sur leur sur ouais, leur ouais, moi, À, hein, à moins que tu confédères barbe et que tu te fous à côté. Ouais, à voilà, la... c'est ça. Ouais. Et si tu confédères, eux, effectivement, ils peuvent te déclarer la guerre. Mais si et tu... Moi, euh... j'ai relativement la peur. Hein. Ouais. Donc ça, 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 te permet en fait d'avoir vraiment ton front au sud. Et c'est vrai que l'ennemi numéro 1 c'est les vertes Et il y en a beaucoup. Malheureusement, vous êtes entouré de vertes Mais vous avez quelques petits alliés nains aussi qui sont à proximité. Très simple. Quand vous jouez les nains, votre but, c'est d'éclater Grimgor le plus vite possible. C'est du roche. Sinon, vous allez galérer. Ouais. et, et les lances sanglantes aussi, parce que les lances sanglantes vous, ouais. vous envoient des armées aussi de votre côté. En fait, Grimgor est pas en guerre hein, en début. Hein, donc, euh, ouais, est-ce que le, le mieux, c'est l'ensemble surtout qu'il y a des belles villes alors les nains bien sûr vont jouer sur un système économique assez intéressant avec des, des, des super villes hein, qui sont à proximité vous avez des ports vous avez des villes avec des mines d'or notamment euh, le sens, mont Tu t'as le, le port de barakvar qui est à côté voilà as très vite accès à la mer donc vite, très vite au commerce tu vas être un port tu majeur as que, tu as ce que j'appelle la sainte trinité des villes qui te rapportent du fric dans le nord de la map, tu as le mont Gunbad qui est juste au-dessus ouais, de, ouais, de la Avec Il est là. Le meilleur bâtiment économique du jeu, je crois, de hmm. mémoire. Un des tu meilleurs. Tu as la province de l'argent, ton lieu de départ où tu as une mine qui te rapporte 1000 également. Ouais. Et tu as euh, le lieu de départ de Grimgor, euh, c'est le Pic Noir. Le Pic Noir, oui, c'est ça, c'est le Pic Noir. Pic Noir avec une mine qui te rapporte encore 1000. Franchement, vous prenez ces trois villes, ces trois provinces au début du jeu. Vous êtes royal économiquement parlant. Et franchement, vous pouvez les avoir autour 40-50 si vous connaissez bien mmh. votre faction et comment faire le départ. Vous êtes vraiment royal avec ces trois villes. Exactement. Et après, vous, vous étendez où vous voulez. Mais c'est pour moi, pour moi quand on joue les nains, notamment ces deux c'est le début de partie qui est le plus est compliqué. la priorité, c'est de prendre ces trois villes-là. Après, l'ordre, la façon, pour garder mais c'est du rush, faut l'atteindre Grimgor, il faut l'atteindre les et avoir ces trois villes. Puis là, vous êtes mais vraiment bien. Et, et voilà, la... mais, comme tu disais, voilà. c'est que euh, une fois que tu arrives à avoir ces trois villes, c'est que tu t as réussi à t'étendre. Et c'est vrai que c'est le début, début de partie qui est vraiment compliqué. Une fois que tu as laté, comme tu dis, au moins les, le, les, les, la, les lances sanglantes et puis, euh, puis Grimgor, tu te retrouves avec une partie beaucoup plus accessibles accessible où tu vas pouvoir te concentrer sur quick sur euh, non, éventuellement Murzag. tu vas te concentrer en troisième le lieu sur Murzag qui est aussi une faction majeure qui peut convaincre. oui j'allais dire sur quick ou Murzag et on également et, et aussi echine hein, qui peut venir assez rapidement te casser les casser ouais. les cagoles en vrai il y a ouais, beaucoup d'avenir j'ai remarqué le club. quand echine c'est encore pas trop alors ah bah moi euh, j'avais le clan Eshin moi qui m'avait euh, justement venir euh... enfin en fait c'était pas le clan Eshin d'abord c'était les, les petites factions Scaven là les, les, ouais, du clan Rictus le clan Rictus le clan Rictus, là, clan -Rictus, là euh, qui venait t'emmerder avec des armées foules parce qu'en fait le problème c'est que comme tu es en guerre contre après c'est pas vraiment le niveau de difficulté mais vous, vous vous retrouvez avec des armées de 20 Scaven alors c'est 20 esclaves ou des guerriers des clans ou des choses qui sont pas non plus exceptionnelles mais le problème c'est que en fait 20 Scaven plus euh, 20 de la lance sanglante, plus 20 des autres et en fait vous vous êtes submergé d'ennemis à tous les côtés donc effectivement c'est un début de campagne qui est très compliqué Diplomatique, c'est de gagner déjà sur un front. Ouais, c'est ça. Moi, ouais, c'est un front gagner quelque part, c'est ce qui compte. Ne vous dispatchez pas trop. Avoir une armée de 10 pour protéger votre province de départ, faire des garnisons, c'est bien, mais commencez pas à envoyer vos armées aux quatre coins de la map, sinon vous allez pas vous en sortir. Focussez-vous sur un front. Moi, ce que je, moi, ce que je, que je recommande de faire, c'est ce, ce qui marche bien en général Je bourre l'armée de torim, d'arbaétrier, de guerrier n'a de catapultes. 4 catapultes euh, du guerrier hein, les unités de départ, etc., les arbalétriers, je rush sur Grimgor au sud, je pète la gueule et je laisse une. Je construis des garnisons dans les villes mineures euh, à la route de l'argent et je laisse une armée entre 6 et 10 guerriers hein, en fonction de l'économie que j'ai pour protéger cette... cette province. Voilà. Et franchement, c'est quelque chose qui marche bien. J'ai pratiqué ça en très difficile. Ça marche. Bon, Thorgrim, donc du coup, chance de recevoir des récompenses supplémentaires et aléatoires pour chaque rancune résolue, donc ça c'est assez intéressant, puisque ah, les rancunes, c'est des, des petites nouveau, quêtes. C'est nouveau. C est, c est nouveau ça. Relation diplomatique plus 20 avec les nains, donc ça c'est pour ah. faciliter la confédération, effectivement. On ah, peut confédérer avec Barakvar, il y a Caracasul qui est également au sud, donc on peut très vite confédérer aussi, si Torek ne le fait pas. Oui. Ouais, Donc oui a, franchement avec les nains les deux, les deux factions qui commencent là il y a beaucoup de moyens c'est ça il y a aussi les nains là qui sont euh, à gauche du, de la, du col du feu noir là, de, de la petite route qu'on peut aussi Caraxien euh, je crois qu'il s'appelle ouais il ou y, a, y, a, y a beaucoup dans, dans toutes les montagnes du, du vieux monde il y, y a des nains franchement vous avez vous avez quatre ouais. cinq factions vous pouvez confédérer assez rapidement donc, euh, entretien moins 15% pour les unités de longue barbe et les marteliers, donc ça c'est top, parce que du ouais, coup c'est vos unités d'élite, bien sûr, enfin les longues barbes, euh, vos tanks, et puis euh, marteliers, ouais. euh, pareil, euh, unités de, de, de late, late game. Rendre recrutement plus 3 pour les marteliers, bah ça fait toujours plaisir aussi, euh, bien sûr, c'est très fort. Tous les ordres ont des effets plus puissants avec lui, donc les ordres de province, rappelez-vous, hein, ouais. euh, donc ça c'est aussi assez intéressant comme bien bonus. des factions qui jouent un petit peu sous ces ordres, parce qu'à part les hommes les hommes, il n'y en a pas. C'est vrai lui a une taille d'effet de commandement de plus 75% on a déjà défini l'épisode précédent ce que c'était la tête de commandement on va pas en revenir euh, et puis résistance physique euh, plus 15% pour les marteliers dans l'armée du seigneur euh, euh, c'est ce connu en 1 c'est pas solide hein. Donc, et gardien c'est <laughs> <C> ça <laughs> et gardien pour les marteliers alors gardien je sais plus exactement ce que ça fait c'est -ce tu... ça non je sais plus ce que ça fait gardien, ils ne le mettent pas. C'est ce met bon, pour les marteliers aussi, donc les marteliers qui sont hyper boostés euh, avec Karazakarak. Euh... Très bonne unité de départ pour Torgrim, hein, la catapulte, les, les, les marteliers qui sont des tiers 4. Oui, ouais, ouais, une martelier, catapulte, plus arbitre, c'est tout ce qu'il faut au début de partie, c'est parfait. Ah, hein. ouais, c'est top. Hein. Bon. Notation, mon petit Martin. Notation. Alors Là. écoute, militairement parlant, ça reste quand même une très bonne faction qui a su, avec le temps, combler un petit peu ses manquements. Oui. Les a bien. Franchement, pour moi, on est sur une note équivalente à l'Empire. Hein. Moi, su... moi, je pense que pour Thorgrim, on est sur du 8. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, top artillerie, top infanterie, et euh, très bonne unité lance-projectile. En plus de ça, Thorgrim en lui-même est un très bon seigneur, très tanky. Il euh, tank bien, puis il a des voilà. boosts qui sont Il tank, il boost, et comme voilà il, il améliore en plus la résistance physique aussi. Euh, il il booste les marteliers qui sont une super unité. Donc, effectivement, un bon 8, je pense, euh, ah, oui, militairement puissance économique. Non, à moi, moi. À, à moi moi je lui mettrais un 2 parce qu'il a pas accès au trésor. <laughs> non, on va je pense qu'un 8 c'est pas mal aussi, un 8 et demi. Ouais, un, oui. un, un 8 ou un, un, un 8 parce que les bâtiments d'un coûtent quand même très cher ouais, et les il a accès cher, il, okay. il a la Sainte-Trinité effectivement qu'on a vu à proximité mais il a moins possibilité qu'un Karl Franks à se développer autour Alors, de lui. Au... Ben, c'est plus dur les, bati... Déjà, les bâtiments coûtent méga cher s'il si avait des bâtiments qui étaient équivalents à Karl France. J'aurais mis un huit et demi, tu vois. Mais les bâtiments nains sont très chers. Voilà, déjà, déjà ça, puis euh, Karl Franks a le Même temps... Si en... l'économie suit, les bâtiments sont chers. En fait, le, le problème de... Enfin, Karl Franks, si tu veux, lui, il a, il a la possibilité de, de se, de se stabiliser, de, de stagner, c'est-à-dire de dire, bon, je fais du, du développement vertical, donc en gros, ah, je, je ah, me fais du développement interne, lui, sans il Lui, il doit toujours lâter ses ennemis, il n'a pas trop le temps de se développer économiquement, donc ah, là, vrai il, que... rancunes, il doit l'attester ses ennemis, il doit sécuriser le Nord et le Sud, il y a du travail. Bon, diplomatiquement... Alors, ça... franchement, ça Moi, va être diplomatiquement... mitigé. Ça va être mitigé. Parce qu'il y a d'un côté la possibilité de confédérer assez rapidement les autres factions naines. Mais euh, à l'inverse, tu es entouré d'ennemis. Tu as les principaux défenseurs alliés qui sont seuls alliés à proximité. Autrement, tu as que des ennemis, des scavens, des pauvres. Euh, T'as Tchoufbar qui peut être un allié. T'as Barakvar qui peut être un allié. Ouais, mais oui. je parle hors, fonc... hors faction naine parce que je pars du principe que si jamais tu les comptes. Euh, en alliés, en gros, tu les confédères pas. à l'inverse, si tu les confédères, ben, ça devient plus des alliés, c'est toi qui gères leur ville, donc c'est un peu plus compliqué parce qu'en plus, du si tu les confédères, enfin, moi je trouve que c'est complètement stupide de confédérer Zuzbar, surtout, surtout en, ouais, ouais, j'suis en j'suis haute pas difficulté. Pas difficulté pour parce que ouais, C'est ça. Voilà, c'est ça. Confédération ouais. Baragvar, elle est quasi obligatoire et après le reste. Euh... Après, dans un, dans un avenir un peu plus lointain, oui, une... ouais. qui est aussi cherchable, j'ai envie de te dire, il n'est pas si loin que ça. Ah, une aime pas les nains. Une c'est ah non non, c'est relations diplomatiques négatives avec les nains. Je connais pas bien comme seigneur. Non 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 non. Donc on a en diplomatiquement, euh, je mettrai je mettrais, en vrai je mettrais une sale note, mais parce qu'il peut confédérer des nains assez vite, je mettrais un. Après ça reste une faction du bien qui peut il reste à l'empire qui est pas loin non plus hein, mine de rien, que je moi je lui mettrais, 4... mettrais un peu en dessous de la moyenne quand même ou un ah 5 non, 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 ou un non, 5 non, non, non. un 5 alors ah non, moi, moi je foutrais entre 5 et 6 quoi euh, un ouais, 5 non. un 5 un 5 oh non non t'es trop... trop dur en, en, vrai, en, en, vrai, en vrai, je te jure que... En fait, le problème, c'est que le début de la campagne de Tangrim il est horrible, Martin. Vraiment. Hein, il est je vraiment sais horrible. Je sais. Et, et donc, en fait, effectivement, as des super points aussi. Tu fais partie de l'Ordre d'Ortaille, donc tu as accès à effectivement, une alliance potentielle avec l'Empire, avec les nains... Avec, euh, avec l'Empire, avec la Bretonie, pardon. Euh, avec éventuellement les hauts-elfes, pourquoi pas. Euh, mais ça, j'en conviens. Et il, a, il a des avantages. Il a aussi euh, la possibilité de confédérer rapidement. Ça fait des gros points positifs. Mais diplomatiquement, sa situation... Parce qu'on prend aussi l'emplacement de départ n'est Pas facile, mais pas plus que la moyenne parce qu'il est fou 5,5 dans ce cas. Ah, mais tu, tu vois, enfin, je, je sens que je. Vas-y, on va lui mettre un 5,5. Alors, on va lui mettre un 5,5 si tu veux. Moi, ah, j'aurais mis entre 6 et 7, mais bon, je te trouve un peu dur, mais bon. Non. Et voilà. Alors, puissance commerciale. En bon, puissance commerciale, c'est pareil, c'est. Les nains commercent relativement facilement et tirent énormément de, de points positifs à ça. Donc après c'est pareil, c'est soit vous confédérez rapidement avec les nains et vous avez moins de partenaires commerciaux. En début de partie, vous avez quand même possibilité d'aller quand même chercher quelques, quelques accords commerciaux assez intéressants. Et puis ah, bien moi, sûr. Vu, on gagne vite de l'argent avec le, le commerce avant de confédérer, avant qu'on ait la machine qui soit en route. Hein. <laughs> Oui, oui, ouais, c'est ça. Et puis après, bon, après, ça reste une faction commercialement qui. Très fort. Les bonus apportés par les technos aussi au niveau du commerce sont très, très oui, 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 oui. Les bâtiments de production, etc. Après, le, le plus chiant, c'est d'avoir des partenaires commerciaux et. Mais bon, après, ça se fait. Oh, pas, non, non, c'est pas le plus chiant parce qu'il ne faut pas oublier aussi que tu as accès à tout l'Empire à côté. Pas forcément la faction de Calfrance, mais tu as accès au Stirland, tu as accès à toutes ces, toutes ces petites factions mineures avec qui tu peux aussi commercer. Hmm. C'est quelque chose qui est Moi franchement commerce commerce du colle un 7. Ouais un 7, je pense que c'est pas mal. Un 7, c'est pas mal parce qu'il a quand même... Euh, il, il, a, il a accès à un port facilement et, et ah. il a quand même... Ah Ah bah il rentre dans le top, hein <laughs> Il rentre dans le top, mais à contre cœur, je t'avoue quand même. Hein. Ah, arrête. À contre cœur parce que pour moi, ça en fait pas une campagne plus facile qu'à l'Ariel. Vraiment, est la, bon. le, la, campagne, la campagne est plus dure. La campagne est, est plus dure. Euh... C'est pas parce que c'est dur qu doit avoir une mauvaise En fait, en fait non, mais oui, c'est pas... En fait, pas la campagne. La campagne n'est pas plus dure. On va, se... On, va... On va changer. Le début de campagne, c'est-à-dire les, les 15-20 premiers tours, si vous arrivez à les passer facilement ou à tenir, en fait, vous, après, vous allez rouler sur tout. Parce que la faction en elle-même, elle est puissante militairement, économiquement. Ouais même diplomatiquement avec, euh, avec les autres factions et commercialement. Donc en fait vous avez tous les bonus. C'est juste que diplomatiquement, c'est pour ça que je t'ai dit la note diplomatique, bon, elle ne changera rien en fait, hein, parce que même si on, on baisse on met à 5, euh, il rentrera quand même dans le top. Mais euh, la note diplomatique, pour moi, c'est pour ça que je l'aurais saqué diplomatiquement, parce que, en fait, j'aurais pas accès plutôt... J'aurais pas euh, mis j'aurais pas mis beaucoup de points pour ses, sa possibilité écoute à... t'étais à, à 5 j'étais à 6 t'en as mis 5 et demi non j'aurais été à 4 et tu m'as dit non non pas 4 je mets la moyenne je dis non, ok 4, je mets 5 4, chaud, moi j'aurais mis, mis 4 mais bon même à 4, et, même à 4 il rentre dans le top hein, parce qu'à 4 ah, fois, ouais. du coup il, il reste à 66 il reste aussi de la réelle, donc, euh... pas grand chose qu'il soit à l'arrière et demi ou à 4 et demi. Ouais, ouais. Bon, ça change pas grand chose mais voilà moi j'aurais mis une petite note en dessous bon pareil n'hésitez hein, pas à laisser, euh, à laisser vos commentaires mais je pense qu'effectivement 4 c'est un peu rare la, la difficulté, mince. la difficulté, effectivement, vient, euh, vient, vient ici, réellement, si vous lancez dans une campagne avec Thorgrim. Euh, voilà, attention à ça. Après, ça reste des nains, ça reste très fort, mais c'est le début de campagne qui est pas facile. Allez, donc, euh, effectivement, on a un, nouveau, euh, un nouvel arrivant euh, dans le top 5, puisqu'il prendra la quatrième place euh, derrière, donc, euh, le duo. On a mis France et à la même place, ils sont premiers qui quitte deuxième, troisième, et puis Torgrim, euh, voilà, donc il prend la quatrième place, c'est ça voilà. et après donc c'est Gorok qui quitte le classement donc pareil, ouais. vous avez peut-être qui vont tiquer en disant que Gorok est plus facile ah à non. jouer que, que Torgrim, mais on reste en des ah, dons... il y a des avantages qui vont avec aussi hein. oui, oui oui, après ça reste du nain et je pense qu'on a justifié nos notes et je pense qu'elles sont relativement, non mais après ça reste des très bonnes factions, hein. les, genre, si vous jouez les nains c'est sûr que ça reste, ça reste avec Grombrindal les deux factions naines les plus accessibles aujourd'hui, si vous voulez commencer nain c'est sûr que c'est avec ces deux factions là qu'il faut jouer donc, euh... alors Grombrindal. Alors écoute, chance nice. d'évasion en utilisant le souterrain plus 60%, tous les personnages. Alors, ça c'est franchement pas mal. Voilà, oui, donc ça c'est euh, une bonne solution d'escape, ouais. Puissance des armes plus 20% en combat contre les elfes, moi je trouve ça pas terrible. Ouais, ça, euh, pff, ouais, oh, pas, pas ouf. Ouais. Bon, des fois que tu te tapes une arche noire le long de tes, de, de, de tes côtes, bon, ouais, voilà. ouais. Et Ça c'est une référence au lore puis à la guerre de la barbe. Ouais, ouais. Voilà. Euh, invoquer à la puissance des dieux ancestraux, Grand Brindal, tous les X-tours. Il Aura des, euh, bah des, des bonus, comme un, événement. Un, un événement, un ouais. événement un petit peu comme la lune là, avec les hommes euh, bêtes. Euh, les Et vous pourrez choisir différents bonus liés au militaires, à l'économie, etc. etc. Franchement, c'est pas mal. Ça peut dépanner, c'est vraiment pas mal. Très fort, très fort. Ensuite, porter euh, des euh, renforts, hein. plus 10, plus 50%. Ça, ouais. Voilà, c'est franchement pas mal. Et commandement, plus 10% dans l'armée du seigneur, c'est énorme. Oh, pas, tant de pro... pas tant de puissance, tu me parlais de commercial, commercialement. Ouais, mais c'est un arbre technologie qu'il a, qu a ça. Il, ouais. a, a, il a un truc qui lui est propre, qui te booste le commerce, mais truc de porc, tu iras regarder une fois. D'accord, ok, non, mais je te crois. Je crois. Euh, vraiment, c'est assez ouf. Ok. Bon, Donc, moi... Pour... moi, je vais pas m'emmerder. Pour moi, il est comme Torgrim, sauf en commerce où il est, où il est plus haut. Moi, bon, je pense qu'en militaire, je lui mets moins parce qu'il a pas les bonus qu'il apporte aux. les bonus euh... de tank. Il laisse. Je lui mettrais 7 ennemis ouais, en Ouais, mais moment. attends, 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 il a pas les bonus de tank, mais plus 10 au commandement. C'est énorme, c'est que les noms ont déjà un commandement hyper haut. Ouais. Je suis plus 10 de commandement. De voir ce qu'il avait, euh, Torgrim. Torgrim, il a. Torgrim, il a quoi Il avait le rendement cru, 3 pour les matreliers. Euh... Il a la taille de Laura. Hein. Ouais, il boostait les Marteliers énormément, bon après le Commandement c'est ah bien voilà, aussi. voilà, il hein, booste euh... les Marteliers, lui il booste toute l'armée quand même. Hein. Et, et Grombrindal par rapport à Torgrim, tu peux me dire quoi dessus euh, Militairement, euh, si on parle du seigneur en lui-même. Alors c'est simple, euh, Grombrindal c'est un super héros au cac, il fait mal. Il fait plus mal que Torgrim, hein. c'est pas un bon. héros tank, c'est un héros cac, clairement. Et entre les deux, et tu euh... mettrais écrit mettrai plus fort entre les deux Ah pour moi Grombrindal est meilleur que Torgrim. Bon. C'est simple, l'autre tour j'ai fait un 1-1, je me suis amusé, j'ai vu que dans l'or c'était Thorgrim qui, euh, attention au spoil, hein, que c'était euh, Torgrim qui tuait Quick, je me suis fait un petit duel Quick-Torgrim, Quick a tué Thorgrim de justesse, après j'ai pris euh, Grand Brindal, Thorgrim, euh, Grand Brindal Quick, Grand Brindal il a ouvert Quick deux 2. Bon. Écoute, je te fais confiance, de toute façon, si les notes sont pas bonnes, on met. vous nous le direz dans les commentaires, bien sûr, c'est fait pour ça, ou sur le Discord, bien sûr, avec l'onglet... Pour moi, il est à 8 comme Torgrim. Allez, j'ai mis 8. Et je crois qu'il booste plus les unités que Torgrim, il me semble. Allez. vérifier, je suis pas sûr. Un 8, bon, économiquement... C'est les mêmes, quoi. Pareil, on va dire, diplomatiquement, c'est les mêmes. Ah non, diplomatiquement, moins bonne note, parce qu'il a pas le bonus des relations avec les nains. Exact, donc là, je lui mettrais un 4,5. Allez, 4,5. Pour le coup bon, est ce que ça te va si on met un 5 diplomatique moi ça me fait ça me fait vraiment de la peine de toute façon pas grand chose hein. il sera toujours dans la un même 5, alors allez un 5, un 5. c'est comme ça au moins on est logique c'est un demi point de moins pour la relation avec les nains parce que c'est pas que la relation avec les nains qui vaut un point mais bon, voilà, bon comme bon, ça on reste plus logique dans la mais là oui effectivement si on 4 et demi à grand Brindale, on peut bon, B7, games, hein, quoi. et donc on tu mettrais aussi quoi un 7 ou un 7 et demi en commerce du coup ouais, euh, moi franchement je suis autour des 8 entre 8 et 9 hein on met un 7,5 pour sa barre bleue, mais après ça reste la même chose. On lui met 0,5 un, un 0, points de plus parce qu'il peut booster le commerce avec ses bonus, mais ça augmente pas le nombre de partenaires commerciaux, tu vois. Écoute, je vais quand même lancer la campagne à Grand Marindale, je veux juste voir ce qu'il fait. Vas-y, donne-moi, vas-y, donne-moi, viser son bonus. Bon, ouais bah, en, en, attendant, en attendant, je mets 7,5 parce que, bah, sans, il rentre ouais, dans ouais, le classement aussi, hein. Mais bon, ils rentrent dans le classement, mais ça sera pareil, parce qu'en fait, à 67-65, en vrai, <laughs> juste, juste, je vais remettre, je vais remettre à 5,5 ,5 de Torgrim pour qu'on ait un duo, un duo, peut-être... Tu euh... au le met avec c'est plus ouais, sympa. mais c'est ça, en fait, c'est que je préfère les mettre avec Zeko, pourquoi Parce que, du coup, tout simplement, ils commencent au même emplacement, ça évite de mobiliser une place pour un et une place pour l'autre, alors qu'ils sont... On fait comme avec Karl Franz et Volkmar, les deux sont au de même pied d'égalité. Voilà. Parce que finalement ils sont très très proches, c'est après que ça se gagne. Bah, euh, oui, c'est ça. C'est que effectivement, c'est après que... C est, c est... Enfin, en fait, c'est le même emplacement. Donc en fait, même emplacement égal, effectivement, si on voit que à 0,5 points près, on est sur la même, la même, le même classement, on va, les mettre, on va les mettre ensemble. Parce que du voilà, coup, effectivement. De c'est pour assurer le même start. Ouais. Quoi, ouais, donc, oui, oui, les notes, il euh, y a quand même beaucoup de notes similaires. Ah ouais, clairement. Bon, tu peux enchaîner la suite pendant que ma partie charge. Ouais, alors, Bélégar <laughs> Bélégar, Bélégar oh, Il est infernal, Bélégar. Alors, Bélégar... Bélégar, Nord, se fait tuer par Quick voilà, bon bah du coup, merci pour les petits points lourds, euh, mon petit Martin. Donc entretien plus 50% euh, jusqu'à hein, jusqu la euh, recapture de Karaz, euh, karak uipik Donc karak uipik pour vous dire. Alors déjà, pour vous montrer où est, est Belégar. Belégar, il commence ici. Euh, donc dans les montagnes de Karakizor. Euh, pas loin donc des, des elfes sylvains, des Scaven, euh, des rois des tombes et puis des humains de, de, de l'Attilée et de, et de l'Estalie. Euh, il doit reprendre karak Donc karak uipik euh, c'est. Euh, je cherche juste aussi parce que là, du coup, sur la carte, je suis un peu perdu. Ah, c'est juste en dessous du pic noir de chez euh, Grimgor. Ouais, mais alors. Euh, c'est. Euh... Rocher de fer, tu tires un petit peu au sud, puis tu vas sur la droite. Ouais, mais c'est juste que la, la carte apparaît. Enfin, le, le, la, la province n'apparaît pas, mais je crois que c'est ici, si je dis pas de conneries, c'est à Big, Big Water. Sur. Si! Euh... Tu vois où ah oui, non, ah oui, non, c'est là. Oui, Karako je suis bête, c'est là. Eastern Badland, c'est là. Juste en dessous de... Tu avais raison, juste en dessous de, de, de Grimgor. Donc, il doit aller reprendre Karako Weepik, donc faire tout le trajet ici pour pouvoir enlever... Vous aimez la rondeau, les mecs. Voilà. <rire> <rire> pour avoir euh, son malus, euh, malus d'entretien, en moins. Euh, il a un bonus donc, de siège de plus 10 en assiégeant. Et il commence aussi avec les Ancêtres Ungroon. Donc ça, c'est très bien, par contre. Euh, c'est des, euh, des héros fantômes, donc éthérés. Euh, qui sont euh, relativement puissants. ils commencent avec 3 ouais, héros, hein, si je dis pas de conneries. Trois, y a... Ah, 4-4, 4-4, pardon. je sais plus que euh, Non, mais il y a un, un de chaque, crois. je crois qu'il y a des, des tannes, il y a un maître des runes, a... il ouais, y, y, a, y a différents types de, de héros dans les, dans les ancêtres. Et en plus, maintenant, donc, on peut leur affecter les runes, donc euh, ça les rend encore plus, euh, les plus pétés. Il a une chaîne de construction unique au Karako Upic, bien sûr, s'il arrive à récupérer sa ville, avec des bâtiments légendaires assez intéressants. Euh, il a l'attribut assiégeur lui-même donc il n'a pas besoin d'avoir une unité d'infanterie, euh, d'artillerie pour pouvoir assiéger une colonie, il peut directement dès qu'il assiège une, une colonie même sans unité euh, de, de catapulte d'artillerie ou, ou de bélier ou de tour de siège, il peut directement attaquer la ville dès le tour 1, donc ça c'est ouais, intéressant. Euh, il a une capacité puissante pierre de serment, alors j'ai pas le. j'ai pas exactement ce que ça fait. Euh, bon c'est une capacité d'armée je pense. Ouais c'est une capacité d'armée. Euh, attribut donc, déploiement d'avant-garde pendant les batailles souterraines euh, pour toute l'armée de la faction. Bon c'est sympa ça, ça rajoute... Euh, pff, bon... C'est pour les batailles souterraines donc en oh fait ça peut ne pas être bien parce que je rappelle que les nains c'est une faction défensive ouais aussi ouais je suis pas hyper fan ouais je suis pas ouais je suis pas hyper, ouais, je je suis pas pas hyper et par contre il a des bonus de commandement en combat contre les peaux vertes et les scavens voilà heureusement puisque c'est ce qu'il va affronter donc le problème de son malus c'est qu'il va falloir euh... enfin la campagne avec lui c'est soit vous, vous prenez le choix de de souffrir pendant très longtemps et d'avancer petit à petit jusqu'à conquérir des territoires qui vous rapprochent. Soit vous rushez, si vous rushez vous faites une armée, elle va vous couder la blinde et puis vous, vous passez votre temps à faire un peu de randonnée pendant les 15-20 prochains premiers tours. Vous, vous, atten... vous avancez en mode embuscade, vous attendez qu'un raco soit vide et vous la... vous la prenez, vous recommencez, enfin vous commencez votre partie ici. quoi. Donc ça reste assez compliqué, je t'avoue, mais une campagne très intéressante pour les chercheurs de, de challenge. Euh, militairement, notre ami Bélégard, de par son entretien, même si ça joue plutôt juste, sur les... Comptes... Juste, euh, pou pouce oui. de seconde. Oui. Euh, Gromrindal au rang 2, oui. plus 20% des revenus du commerce. D'accord. Bon, bah c'est un... Ouais, ouais donc euh, ça mérite bien son... Attends, euh, son... je te fais encore sa barre bleue, les trucs qui lui sont propres. Vas-y. Euh, portée de déplacement au troisième level, c'est du plus 15%. D'accord. Euh, recrutement global, c'est pas ouf, l'attaque éclair, voilà. Donc c'est franchement pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant Je fais vite le tour. Hein. Au niveau... enfin, pas militaire, hein, mais... Euh, toc, toc, toc. Hop, ça monte faire. Ouais, voilà, grosso modo. Donc quand même 20% de revenus du commerce, c'est pas dégueu, quoi. Ouais. C'est pas dégueu du tout. Donc on va le laisser comme ça, comme ça ils sont en égalité les deux. Et on les met sur, la, sur, la, sur, le même, sur le même pied, quoi. Oui, on les met sur le même pied d'égalité. Tu sais. Donc Bellegarde puissance militaire de par le fait qu'il apporte lui-même aucune armée, mais bah, il commence quand même avec quatre héros éthérés qui sont ça c'est un, un, un énorme avantage. Donc j'ai pas trop le saqué pour ça. Par contre, il commence avec un énorme entretien, même si c'est plutôt économique, mais pour moi c'est plus militaire que économique aussi non, puisque ça l'empêche l'entretien c'est économique c'est économique oui mais le problème c'est que ça lui permettra pas d'avoir des grosses unités donc militairement tant qu'il a pas karaoke pique il va avoir un désavantage en tout cas en début ah, de partie oh, donc non, je, je le mettrai un je mettrai un 7 euh, militairement parlant oui parce qu'il a quand même les 4 héros éthérés ça reste un 1 Ouais 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 je suis assez d'accord Bon économiquement effectivement euh, là ça va être beaucoup plus compliqué là par contre euh, là sûr. moi franchement je suis à 5 quoi ça reste des nains avec une économie solide au niveau des bâtiments ils ont quand même. Euh, ouais, mais c'est chaud quoi. Bah en fait, le problème c'est que, économie solide, encore faut-il avoir des, des, des bons bâtiments. Il n'a pas la, la Sainte Trinité, comme tu l'appelles. Il est trop loin pour l'avoir. Il ne peut pas se développer. Il n'a pas de mine et il doit rusher pendant 20-25 tours avec un entretien à plus 50%. Moi, je lui mettrais une sale note. Après, effectivement, une fois qu'il a récupéré ses territoires, il pourra se. Mais bon, il va avoir 30 ou 40 tours de retard. Donc en fait, économiquement, c'est un énorme malus. Même si ça reste des dents. Moi, je lui mettrais 3, en vrai. 3 parce que ouais. ça reste un an. Ouais. Je sais pas si tu suis ma logique, hein, je veux dire, mais ouais, ça reste alors, un 1. Il lui plutôt 3,5. Ah, 3,5, si tu veux. Ça va pas changer grand-chose. Hein. Bah, de quoi F3, ça fait un point demi supplémentaire. Ah, <laughs> puissance diplomatique. Bon, bah, puissance diplomatique, c'est pareil. Alors là, ça, ça reste un 1, donc ça reste dans les factions du bien dans leur Il, a, taille. il, a, du il a du monde autour. Hein. Il a du monde autour. Il a la tilée avec qui il peut être pote. Euh, il ah, a la aussi. Thilée, les Stali, les f -Sylvain, la les Stalys, les F-Sylvains, la Bretonie, l'Empire. Il a deux factions naines. Il y a du people. Hein. Oui, mais après, la, la question, c'est. Euh, il va être obligé d'aller chercher Karako Epic, qui est blindé d'ennemis. Ouais, mais en attendant, en attendant, il peut quand même compter sur des alliés pour euh, sécuriser ses terres puis se battre à sa place. On fait quoi tu alors vas de... Tu vas pas avoir de problème de vampire, tu vas pas avoir de problème de Norse, tu vas pas avoir de problème de bête Tu lui mettrais combien euh, Moi franchement, je serais plutôt un petit peu à la Torgrim, tu vois. 5,5 Ouais, parce qu'il a quand même Skarsnik, il a quand même Ikit, il a quand même des pauvres à côté de chez lui. Ouais. Voilà, moi je suis à 5,5 comme Torgrim personnellement. Ils commencent en guerre contre Karako Epic euh, Ouais, je crois qu'ils sont en guerre en fil d'office. Je mettrais un 5. Un peu moins bien que Torgrim quand même. En Ouais, quand même. Allez, 5,5. et demi. 5 et demi, c'est pas... bon. bon pas pas de pas et, et commercialement, alors Euh, commercialement, bah... Avec qui tu commerces Les elfes viennent tu ne commerces pas. La Thilé, tu vas alors, commercer. Euh, ouais, tu peux commercer. Toutes les factions de l'Empire, Bretonnie, Thilé... Estali, écoute, moi je lui collerais un 6,5 parce qu'il a pas de port. Ben, en fait, c est, c est, fin, je sais pas. Alors, il, il, moi, moi, je vois deux types de campagnes avec lui parce que je, je, je les ai fait. Je vois la campagne où tu laisses ta ville principale et tu pars euh, rusher le truc, mais ta ville principale, elle se fait prendre tout le temps. Euh, donc, ça veut dire que tu commerces avec personne. Ou alors, tu prends le, ou alors, tu prends la décision de rester implanté sur place et de taper le malus de 50% en avançant doucement, où là, effectivement, tu vas avoir des partenaires commerciaux. Mais, euh, mais par contre tu tapes l'entretien le, donc en fait la note économique je la mets même ma enfin je la mettrai genre euh, vraiment le, le plus bas possible quoi là je peux pas je peux pas me permettre de mettre euh, genre si c'est mis en puissance commerciale moi ça me paraît énorme pour une faction où 80% du temps tu vas aller rusher Karako et tu vas jamais commercer Après, voilà ça, 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 ça dépend comment tu joues comme tu dis moi je mettrai un 5 pour la moyenne parce que tu oh. peux faire les deux départs alors faut faut un 5 alors okay. je mettrai un 5. c'est honnête ben on n'est pas loin de du top Ouais, il y a de la marge quand même. Ouais. mais en vrai, il, le, il mériterait sa place. Enfin, je veux dire, quand on regarde réellement en termes de difficulté de campagne, il, ah, il mérite jure. il mérite sa place dans les ah, dans oui. les factions dans les factions les plus dans les dans les les, les oh, Ouais, avec Ça reste du Mamakabi entre 30 de toute façon entre on va dire hormis Quick qui est à 37 qui va être un peu relevé, entre 40 et 50, on a des campagnes qui sont quand même relativement difficiles pour l'instant. Hein. Ouais. Et 47 en fait partie, donc euh, si ça reste dans la logique. Allez, on passe à, on, on passe à la suite, euh, mon Martin. Euh, une Grim, alors lui, c'est le, le big roi des tueurs. Alors, je te, je te laisse parler deux minutes parce que je suis désolé en pleine vidéo, j'ai un coup de fil urgent à passer. Euh, je te laisse papoter deux minutes sur Ungrim. je me mets sur la page euh, pour qu'on puisse aussi avoir son skin et puis euh, je te laisse définir ces, ces trucs-là, enfin, ces, ces avantages. Climat approprié en plus de la montagne gel, donc lui, il va, il va clairement pouvoir s'étendre un, un petit peu au nord. Euh, lui c'est un spécialiste des tueurs, donc vous avez euh, moins 75% pour le bâtiment des, bah, des tueurs tout simplement. Moins 50% au coût de recrutement pour les tueurs, vitesse plus 10% pour les unités d'infanterie. Donc les tueurs vont encore prendre un boost avec lui. Vous foutez une ruine sur les tueurs, plus ce boost de vitesse. Euh, vous avez des tueurs qui vont vraiment vraiment très rapidement. C'est des... C'est l'équivalent de la cavalerie, c'est ce que je vais avant, c'est vraiment fort. Moins 25% pour les tueurs, donc autant vous dire qu'on se demande avec quoi est-ce qu'on va jouer. Plus de 5 d'attaque en mêlée pour les tueurs, parce que ce serait con de, de changer et puis d'être original. Et capacité passive, fin du voyage pour les tueurs, et ça je ne sais pas ce que ça fait. C'est une excellente question, c'est pas marqué là-bas. Bas. Je sais pas ce que ça fait ça. Sachant qu'aussi qu'on l'a pas dit, mais les tueurs sont indémoralisables également. Donc euh, voilà, une grime excellent seigneur qui commence avec deux unités de tueurs, les basiques et les tueurs de géants. Je pense qu'à terme, euh, avec Warhammer 3, on aura les tueurs de démons puis les tueurs de dragons. Alors, en tout cas j'espère. Et on commence avec une petite arcubliée qui est quand même euh, très très bonne. Alors je pense que voilà une grim. Moi je lui mettrais 0 sur 100 en militaire. Non je déconne. Non j'allais dire que j'espère que t'avais pas pas profité de stand mort pour dire trop de conneries. Non non non. J'ai passé en revue les effets. donc Bon parfait. peut passer. été où tous tous les effets c'est bon. Donc bonus des tueurs. Bon c'est que des bonus pour les tueurs quoi. Donc soit le bâtiment, de la vitesse, du recrutement, de l'entretien, d'attaque de mêlée. Voilà c'est le king tueur littéralement. Et puis au niveau d'emplacement de départ donc une situation géographique assez assez compliquée. Ouais, C'est assez dur. Hein. Euh, vous avez quand même euh, une proximité, heureusement, avec l'Ostermark maintenant, mais vous avez effectivement beaucoup de seigneurs légendaires qui ne vous aiment pas. Donc, Azag, avec Azag. qui vous allez être rapidement en guerre, toute la Sylvanie, les, donc. Deux, les deux vampires, et les Skaven euh, les peaux vertes aussi. De... Les lances sanglantes. Euh, ouais. juste, juste ouais, euh, pareil, les, les yeux rouges, la faction des yeux rouges. Vous êtes ouais. aussi plus proche des invasions. Il y a il y a le chaos. Il y a le chaos, voilà, j'allais dire, vous êtes proche des invasions chaotiques. Donc effectivement, euh... une position diplomatique. Euh, en, en parlant des vampires, c'est quand même une, une armée qui aligne a pas mal de grosses bestioles puis de cavalerie, les vampires. Ah ils ont de quoi contrer. Ils ont une position, où ils peuvent jouer défensif en vrai, un hein, Ils jouent défensif et puis ils ont une. grim spécialisée dans les tueurs, donc c'est un tueur d'anti-large. Les armées qui jouent anti-large contre une grime, hein. c'est dans la merde. Ouais, c'est vrai. Tu prends une armée de lézards contre une grim, bah, bah ouais. ne pas chercher de coup, quoi. Bon, puissance. Mais moi, je, moi, j'ai bien aimé cette campagne, en vrai. Hein. Euh, puissance militaire. Elle est pas facile, mais j'ai bien aimé. Euh, puissance ah là, militaire. descendre au sud, euh, prendre les trois, les trois fameuses villes, et puis vous êtes bien aussi. On met un petit 8 euh, en militaire, je pense, pour le bonus accordé aux tueurs, quand même. Ouais, ouais, c'est comme les deux, comme. Euh, comme les deux de premiers, comme... premiers. Ah euh... ouais, moi oh ouais, ouais, 8 c'est bien. Ensuite, économiquement, bah économiquement. Ah, la merde, la merde économiquement. Hein. Bah, t'as quand même, 2 quand même deux, trois bâtiments euh, intéressants. Je crois t'as quand même euh, quelques mines. Hein. Caractère dream, une ville légendaire ou pas Je sais plus. Ah, je sais plus. Je sais plus. C'est la sais... ville des tueurs, hein, dans le lore, donc je sais pas si elle ouais, est bah dans, dans le jeu. Après, en vrai, ça dépend ce que tu... sur quoi tu t'orientes. T'as moyen de quand même développer un petit peu ton économie avec certaines mines qui sont sur le, dans, dans les montagnes, et puis tu as... Euh, ouais, la... mais les... euh, Mugunbat, qui est pas très... Ben très voilà, c'est pour... ça. T'as le Pour ça, est... faut te concentrer sur les orques, faut qu'on fédère les puis faut espérer que les vampires te foutent la paix. Et, et j'allais dire aussi, tu peux aussi t'orienter en Sylvanie, où là, si tu arrives à prendre le château d'Ampalof ou Drakenov, t'as quand même deux grosses villes financièrement qui ouais, te. Euh, C'est pas, pas favorable le climat pour lui, hein. puis tu te fais chier avec la coupe sur Vampiric, les rebelles, ils vont tout. Ouais. Donc, euh, On met quoi, quoi, quoi. Rasé, et puis, euh, voilà. On met un 6,5 économiquement ils sont combien les autres 8, donc vous ne mettrez pas un 8 un 6 ou un 6,5 un 6,5 parce qu'il commence quand même dans une belle ville avec la possibilité d'aller chercher quelqu'un. il a moins 25% d'entretien pour les tueurs quand même avec beaucoup de tueurs au début, je crois qu'il a 3 ou 4 unités donc voilà, ça reste un 1 ouais Diplomatie là par contre c'est un peu plus compliqué parce que finalement à part l'Ostermark et puis Tsoufbar qui est au sud qui va vite confédérer d'ailleurs, il a peu de, il a peu de, de capacité quoi. Bah diplomatiquement, c'est surtout, ouais, c'est qu'il est entouré d'ennemis quoi. Il... Moi, on est entouré des gars très clairement. Ouais, je pense qu'on est, on est ouais, sur, ouais. on est sur un, un, un 3 et demi ou un 4 ouais, ou un 3, ouais. ouais. 3,5 ouais. parce que t'as quand même les nains qui peuvent être allés chercher, ils sont pas tant plus hyper loin mais... Ouais ça mais va bien, les montagnes c'est long à hein. placé même au tunnel c'est long. Hein. Ouais, ouais, est ouais. et euh... t'as l'Empire, très... ça, ça dépend aussi de la capacité de, de ouais. l'Ostermark et de l'Empire aussi à aller euh, asseoir ça. Et, en puis, fait, euh, les, ça. et puis les zones sont très grandes aussi, ces zones de montagne là elles sont immenses. En fait, le, le but de Karakadrin, c'est de tenir le début de partie. Euh, si vous arrivez à tenir, à tenir et essayer de vous développer, à faire du développement vertical encore sur vos petites euh, provinces ici, attendez que l'Empire, euh, théoriquement, euh, dans chaque campagne, euh, bah pareil, va ravager un petit peu tout ce qui bouge. Et dès que l'Empire euh, commence euh, à euh, s'approcher. Euh, moi, j'ai fait des parties récemment avec l'Empire. L'Empire, je ne l'ai pas touché. Hein, J'étais à l'opposé de la map. Ouais. Mais euh, entre euh, les Von Karstein, entre Drisha, entre Rakars. Euh, il est plus si fort que ça. Hein. Moi, j'ai eu plusieurs parties où il s'est fait tête la gueule. Hein. Bah, moi, écoute, je viens de faire une partie où il a encore euh, snowball. <laughs> ça dépend, ah ouais. je pense. je pense que ça dépend aussi. Ça dépend de, de la RNG du jeu. Chaque ah ouais partie est différente. Et, et je pense que voilà. c'est est moins fort qu'habituellement. Bah, en fait, il, beau, il se fait beaucoup plus emmerder euh, parce que du coup, ouais. maintenant, il a Rancard, il mais ça reste une même. Tu sais, sais que j'avais Manfred, je, je crois que j'avais joué Oxytocle. Euh, j'avais euh, ouais. euh, Manfred, il avait tout, tout, tout le nord, la l'Ostermark jusqu'au Kislev, il était à côté de Malfos. Euh, Vlad, il avait pris euh, bah, tout, tout l'Empire, côté Stirland, côté nul, et compagnie. Euh, Rancard, il avait toute la partie Midenheim. Euh, L'Empire a été juste cloîtré entre Marienburg et puis sa province de départ. Hein. Ah ouais, mais c'est possible. Mais as ah, non, t'as bah, raison. J'ai déjà vu des parties aussi qui étaient comme ça aussi. Mais... Je lui mettrais 5, moi, commercialement. 5, euh, euh... parce qu'il peut quand même arriver à choper des accords avec, euh, avec certaines provinces de, de, de l'Empire. Il peut aussi aller chercher des accords avec les nains. Et effectivement, même si diplomatiquement il est entouré d'ennemis, il a quand même possibilité d'aller nouer quelques accords commerciaux. Et puis ça reste un nain commercialement, ça produit des ressources. Et le jour où ça fait un accord commercial, ça fait autant que des rois des tombes avec 10 corps commerciaux tu vois ce que je veux dire ouais, non, ça, ça reste une puissance je mettrais pas moins bien que Belégar et, et il a des opportunités puis voilà les nains commercialement on peut pas leur mettre en dessous de la moyenne c'est pas possible ça reste une super faction commerciale commercialement et je serais même tendance à, à dire qu'on a même un petit un poil sous évalué effectivement les notes de Thorgrim et de Gromrindal parce qu'effectivement euh, vu la quantité de ressources qu'ils produisent les nains... Pfff. On peut, on, peut monter, on peut les monter demi pour chacun, si tu veux. En de ouais, en vrai, je suis en train de regarder un peu ce qu'on a mis, bon après, c'est vrai que commercialement, en réalité, bon, hormis Tyrion, euh, Tyrion, Eltarion, et puis euh, les deux copains de l'Empire, Karl Franks et Volkmar, bon, euh, les nains sont juste derrière, quoi. Mais effectivement, je, je les mettrais au moins équivalent je mettrais peut-être un... Finalement, peut -être un, 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 un 7,5 et un 8, ouais. ouais. Un 8 pour Graham Brindal ah mais le problème c'est qu'on va, on va forer notre classement quoi. Ah mais ben non si on les monte tous les deux dans le même mouvement oh, ça revient au même mais 8,5 Mais du coup ils passent euh, il passe devant Tyrion. Dans les campagnes de la classement. Non elle reste en 5ème position. Donc c'est toujours pareil c'est juste que c'est Tyrion qui passe 4ème. Bon après peu importe mais en vrai commercialement je peux pas leur... Euh... Même si vous n'êtes pas d'accord et que vous, venez, vous êtes pro-Tyrion et que vous voulez voir Tyrion se faire dépasser en vous disant « Mais non, Tyrion, c'est facile !» Tyrion, on a dit que c'était pas si facile que ça, il y a les Elfes noirs aussi, qui, peut, qui peuvent vous poser problème. Il y a quand même de toute façon, chaque campagne, il y a de ses difficultés. Hein. Toutes les campagnes, il n'y a aucune campagne qui est hyper simple, euh, peu, hormis, enfin en tout cas, entre celles qu'on a euh, pour l'instant euh, notées. Alors toi, euh, euh, Tyrion, il a 68, hein, c'est juste Ouais, ouais, 68. Donc on actualisera le classement pour, le, pour notre duo. Ah ouais donc 68-5, ouais ben bah les nains le dépassent de peu quand même. En fait. ouais, ça, ça reste, ça reste, ouais ça reste... En, fait, en réalité ça reste des campagnes similaires. Torek ah. Torek Bon Torek on va essayer d'en de, parler avec le peu de recul qu'on a puisqu'on a fait je pense tous les deux une cinquantaine, ah ouais, soixantaine de tours. 50, 60 peut-être 70 tours, mais pas beaucoup plus. Bon moi je l'ai trouvé pas facile à jouer en réalité. Hein. Euh, Torek, alors le début va assez vite. Le temps de coucher Quick, coucher Kalida, ça va. Ça, assez ça, ça c'est facile, ouais. Là, j'ai joué en hein, difficile. Hein. Là où j'ai joué, j'ai commencé à guider, parce je me suis retrouvé face à Kroggar, parce que Kroggar me déclare la guerre. Attends, voilà. Ouais, moi, moi, en fait, vous nous... êtes, vous êtes que pas avec personne, là bas. Hein. Moi je me suis tapé effectivement Kroggar sur la gueule et je me suis tapé aussi euh, les, les peaux vertes qui étaient quand même relativement descendues, et ouais. je vous avoue que je me suis fait j'ai eu du mal. Hein. Je suis remonté alors peut-être Je suis remonté à Skullcrag à Skullcrad, pardon ici. Euh, j'ai récupéré quelques petites provinces aussi des des, 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 des. des. rois des tombes des rois des tombes. Euh, mais je voulais vraiment m'orienter sur les montagnes, et c'est vrai que je me suis retrouvé rapidement contre des peaux vertes et je vous avoue que ça a été relativement fac Pas ouais, facile. C'est pas, pas bon. facile. Le début ah. de jeu va vite, les 10-15 premiers tours. Mais après, franchement, ouais, ouais. c'est... Bah, 75%... qui hein. ouais. qu commence avec beaucoup de rancune, donc très vite des tueurs de dispo, ça fait plaisir. Oui, ouais, c'est ça, ouais. c'est vrai. Voilà. Euh, lui, il peut récupérer des, euh, des différents artefacts dans différentes villes majeures naines, et après les assembler pour faire des objets euh, un peu fumés, quand même, faut dire ce qu'il ouais, ouais, est... C'est une mécanique qui est intéressante, si vous aimez bien tout ce qui est... Euh... C'est une mécanique qui est dans la, la forge, hein. Qui est dans la forge, ouais. mais c'est un, un onglet de la forge ouais, spécial après, pour lui. Climat ouais. approprié les jungles, donc là, euh, le jeu nous dit, il va voir Kroggar, va lui péter la gueule. Voilà. Et, et il a les tueurs, et, et il a les tueurs pour justement aussi, avec ce, ouais. son nombre de rancunes, il a la possibilité de recruter des tueurs assez rapidement, justement pour aller chercher Crocgar euh, assez on a vite. Crocgar des tombes et Crocgar, parce qu'il y a Kalida aussi. Oui, il y a Kalida. Mais en, en réalité, tu peux, euh, si tu gères bien, et c'est vrai que c'est pas un début de partie que j'ai fait, et peut-être que c'est ce qu'il faut faire, euh, quand tu, tu commences ici, le, le, c'est vrai que le départ n'est pas, euh, pas indiqué parce que le, la faction vient d'être ajoutée, vous commencez à Karak ici, et c'est vrai que vous avez la possibilité, je pense, de passer de cette région-là au cratère de The Walking Dead. <laughs> d'accord j'ai pas vu d'ailleurs le nom du, du cratère euh, ce qui vous permet d'être relativement en fait peut-être euh, assez rapidement en jungle et de, de pouvoir buter Krogga avant qu'il arrive à trop se développer et qu'il ait justement recruté trop d'unités ouais, ouais, ça, peut, ça après, peut être une a, possibilité en vrai après il, y a, il y a aussi une, une grande force qui permet de faire une grande force ça ne fait pas encore si c'est un avantage ou bien une faiblesse mais il peut très très vite confédérer Caracasoul qui est quand même relativement au nord ouais moi je pense que c'est une faiblesse je pas, je... Moi, moi je l'ai fait, j'ai pas eu de problème personnellement. Bah, moi je l'ai fait, suis... c'est là où les pouvoirs m'ont déclaré la guerre. Ah ouais, mais moi, moi, moi je fait en mode difficile, très difficile. Donc euh, voilà, je sais pas. À définir, je suis pas encore assez, assez expert avec les pour euh, dire il faut confédérer ou non, il faut pas. Ouais. Avec leur cul, je dirais qu'il faudrait pas parce qu'effectivement on se retrouve avec Kroggar. Et Snitch euh, Krog avec, avec Grimgor qui est pas très loin, Snitch qui est pas très très loin non plus. Hmm. Donc avec leur cul, j'aurais tendance à dire ne confédérer pas Caracasoul. Mais. Hmm. C'est sujet à débat. Euh, donc, coût en serment d'or pour fabriquer des runes moins 50%, donc ça c'est ultra bien. Le seigneur, franchement. Ouais, eh, franchement moi j'étais, moi j'étais autour 50. J'ai fait toutes les runes de la liste. Je les ai toutes faites. Vous ah pouvez les faire une fois chacune. Je les avais toutes faites. façon en fait, c'est le maître des runes. Hein, donc, serment d'or des ah bâtiments ouais. plus 50%, voilà. rendre recrutement plus 5 pour le maître des de runes. Plus 5, c'est pas mal. Hein, c'est pas du plus. 2, ah c'est, c'est, c'est énorme. Ça te permet de commencer avec, ah ouais. un, avec un, seigneur que tu peux mettre dans une armée. Il a déjà quatre runes, quoi. Je veux dire. Ah euh... C'est avec un seigneur des runes de fils. Hein. Oui, oui, mais pour les seigneurs des runes que tu recruterais encore euh, en plus. Et, et les runes euh, se, se cumulent en plus. Alors, important pour les remettre des runes, voilà, ça continue dans la droite lignée. Dégâts des armes, perforant plus 3. Armée du seigneur, c'est franchement pas dégueu. Bah, Armure armes. plus 10. Armée du seigneur, c'est franchement bon. Ah ouais. Là, pour moi, on est équivalent à du, euh, à du Grand Rindal qui te donne du plus 10 de points. Oui oui, 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 tout à fait. Et puis, euh... Réduction du temps de rechargement plus 15% pour les catapultes, les balistes, les arbalétriers, c'est vraiment bien aussi. En vrai, euh, ouais. départ ouais. départs qui sont complètement fumés. Catapulte, brise fer, martel, euh, longue barbe, complètement fumée, c'est une tête de départ. Donc, euh, les, les bonus qu'il apporte sont énormes. Pour moi, c'est les meilleurs du jeu. En Et puis, moi, il, a des, il a des runes spéciales avec les runes télécommandées. Ouais. Là, la fameuse rune télécommandée. Ouais, des runes explosives. Euh, avec la bannière avec avec explosive, la catapulte des rancunes devient presque aussi forte qu'une catapulte de la peste, c'est ouais. Moi, je lui mets un voilà. 8,5 militairement, avec tous les bonus qu'il a. En vrai, tous ouais, les bonus. Ouais, il est à un au-dessus des autres. Ouais. Ouais, je... Après, je sais qu'il y a une qu'il apporte, la capacité qu'il a à en produire, 8,5 parce qu'il est à un point au-dessus des autres. Ouais, ouais. Après, économiquement, j'aimerais lui mettre moins, enfin, ouais, lui mettre ouais. moins bien parce qu'il n'a aucune ville majeure euh, à... enfin, de je départ. La ville c'est une ville majeure. Non, non. Une ville légendaire. Oh, non, c'est pas... Légendaire dans l'or, donc je sais pas c'est. Si non, non, être... non, c'est une, une ville majeure, je veux dire, mais c'est pas une ville légendaire. Euh, par contre, aussi, petite, on en profite même, enfin, euh, j'en profite pour euh, nous excuser pour la vidéo précédente, enfin, de, euh, deux ou trois vidéos. Sur Quick, on a dit que Quick ne commençait pas dans une ville légendaire, mais en fait, Quick commence dans une ville légendaire, enfin, hein. dans une euh, capitale de province, je, je veux dire, pas. dans une ville majeure, pardon. Ouais. Donc, euh, effectivement, euh, c'est pour ça qu'on réajustera la note euh, en fin de. Pour la, la, la vidéo finale. Euh, ouais. Donc, effectivement, pas de ville majeure à proximité. Enfin, pas, pas de ville hyper intéressante à proximité. La euh... Lamia, qui est légendaire, qui est proche. Ouais, mais elle est, euh, elle est, elle est proche, mais loin parce qu'en fait, en vrai. Euh... Ouais, elle est pas, elle, est... Mais elle est pas loin non plus. Non, hein. ouais. Enfin, ouais, oui mais tu. 4 tours pour y aller en mode tunnel, j'ai compté. Ouais, mais bon, tu vas pas te concentrer sur la Lamia tout de suite. En plus, moi, oh, moi personnellement, j'ai été pote avec Kalida de tout le début de partie, justement, parce oh, qu'elle. Elle est en guerre contre Kroggar, en fait, donc ça te fait un tampon, ça te fait un tampon au nord euh, qui, te permet... eh ouais, qui te permet de. C'est vrai que moi j'ai défoncé Quick, j'ai défoncé les peaux vertes, défoncé... prêt Quick, 1. Quick, Quick en, en 2 tours ou 3 tours, tu le défonces, hein, Quick. Oh ah Quick. Ouais, 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 ouais. euh... bah, bah, la puissance économique, pour moi, je mettrais un 5,5. ,5. Ouais, moi je mettrais un 5. 5 allez, va, va pour 5. Je mettrais un 5, euh, parce que bon, ça reste, euh, ça reste un 1, mais, euh, mais c'est compliqué. Les bâtiments en sont chers aussi. Hein. Bon, ouais. diplomatiquement bah diplomatiquement euh... à part Calida qui est pote euh... il y a un avec qui vous avez un truc d'office puis que vous pouvez ouais, vous comment... ouais ouais mais bon sachez comme je dis c'est même pas c'est pas plutôt une tarte ou autre chose bah, t'as rien ouais, hein. pour, moi, pour moi je mettrais un 4 il est un petit peu au-dessus d'une green quand même ouais ouais un 4. 4 ça me paraît à part, bien si tu je... Avec Kalida contre Krobgar. Ouais, de par le fait que tu as, comme tu dis, une, ouais, une il confédération. Aussi, à côté, donc, Kalida, donc faut aussi les latter. En fait, l'avantage, c'est que Karak. Euh, az, euh, comment il s'appelle Karak. Est-ce que tu commences avec une alliance avec euh, Karak Azoul, ouais. Je veux dire, euh, peut te faire spotter les nains, euh, ce qui peut être aussi ouais. assez intéressant pour aller faire un, une alliance assez rapidement ouais, avec puis, Et puis, euh, et puis euh, ouais, du coup, coup t as t as t as commercialement. Donc, c'est envisageable. Kalida, c'est envisageable. Euh, Lamia il y a un port ou pas euh, Ouais, mais c'est un, un port intérieur donc tu peux pas commercer à l'extérieur. Ah ouais, non, je, je laisse tomber du port donc ouais, c'est compliqué. Non, non, ouais. t'as que, que, que Kalida et euh, Kemri, je crois que moi ne me m'aimais pas, où t'es fait défoncer rapidement et j'ai pas pu trop commercer. En fait, j'ai presque pas et pu deux, commercer. Il y, a, il y a deux trois laitons à côté, t'as aussi des vampires à côté avec qui tu en peux plus, ouais. non, non, les vampires tu ne commerces pas avec. tu rigoles, à gauche, quoi. moi J'ai réussi à commercer les vampires qui sont à gauche là sur le plateau du désert, il avait ah ouais fait une proposition. C'est eux qui m'ont fait la proposition. Ouais, bon, après. Euh... Bon, je mettrai voilà, un 4,5. Bon. J'avais je, je hein. <laughs> dit, dit que je mettrais pas une note négative à des nains pour du commerce, mais pour lui, je, je, je la mets parce que. Il a comme tu dis, il a pas de port, on pas besoin d'aller chercher le lempire. En fait, pas, pas possibilité d'aller chercher l'Order Tide, comme d'habitude, hormis vraiment euh, dans le milieu de la fin de partie. Et c'est vrai qu'il a pas beaucoup de factions avec qui commercer. Euh, encore faut-il que Kalida survive, bah, effectivement ça peut être Kalida. Et Alors, puis Cabrice, il survit aussi. Mais c'est tout. Tu veux survie, Kalida. Ouais, ouais. Oui, oui. Donc quatre demi, ouais, ça me paraît pas mal. Et ça en fait une faction à 53-5. Ce qui me paraît ok. C'est pas, pas, pas facile à jouer, mais c'est pas non plus dans les, dans les plus durs. Bon, bah ça nous fait un, un bon petit classement avec donc une autre intégration dans le top 5. Avec le duo, donc on a dit Torgrim Gorendal qui prend la, la troisième place euh, et qui donc sort Gorok du classement. Euh, ben bah, voilà pour les nains, 1 hein, h trois de vidéo. Euh, ça ça, c'est pas mal. Et puis ben... On Prochaine vidéo, eh ben on verra si euh, les peaux vertes intégreront le top ou le flop, qui n'a pas été changé d'ailleurs aujourd'hui. Euh, là, on a du lourd, hein. on a les peaux vertes, les vampires qui arrivent derrière. Moi, euh, ouais, de... les peaux vertes, euh, je ne pense pas qu'ils rentrent dans le classement. Moi. moi, je pense que ça peut rentrer dans le flop, voire peut-être même dans le top, à voir, à voir, à voir, à voir, à voir, dans le top, un petit Grimgor, là, je ne sais pas. Allez, on ne spoil pas, on ne sait pas trop. Allez, hein, on ne sait pas trop, on verra Allez, les deux. Portez-vous bien les gars, merci à tous et puis n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit like sur la vidéo, un petit commentaire en dessous de la vidéo, n'hésitez pas également à copier-coller votre commentaire sur le Discord, n'hésitez pas à faire les deux comme ça, ça aide aussi au référencement des vidéos si vous appréciez la chaîne et que vous voulez que le classement soit le plus vu possible. En tout cas, merci à tous encore une fois, portez-vous bien et on se dit à très très bientôt pour les pauvres vertes.